Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, pour cette nouvelle vidéo, je vous propose de travailler ensemble les doubles croches. Et donc aujourd'hui, nous verrons essentiellement les formules rythmiques les plus simples. Et lors d'une prochaine vidéo, nous verrons ensemble les formules rythmiques un peu plus élaborées, un peu plus complexes. Mais avant de démarrer cette vidéo, pensez à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je publie des nouvelles vidéos. Pensez aussi à partager et à l'issue de cette vidéo, à me laisser un commentaire, voilà, pour me dire ce que vous avez pensé de ces exercices. Alors entrons dans le vif du sujet. Donc les doubles croches. Donc aujourd'hui, on va essayer de travailler effectivement le placement rythmique au niveau de trois formules rythmiques basiques. Alors la première, tout simplement, c'est le débit de quatre doubles. Donc lorsque l'on coupe le temps en quatre parties, on a quatre doubles croches. Donc, ce qui fait 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, tout simplement. Alors, pour illustrer ce propos, on va utiliser un premier exercice. On va partir ici avec le sol. D'accord? On va faire l'arpège de sol majeur, sol, si et ré. D'accord? Donc, trois notes. Et chaque note, on va la faire quatre fois. On va faire quatre doubles croches par note, ce qui fera. Sol, 1, 2, 3, 4, si, 2, 3, 4, ré, 2, 3, 4. Voilà. Un temps pour le sol, un temps pour le si et un temps pour le ré. Donc, comme cet exercice est en 4-4, on a fait trois temps, il nous en manque un. Et le dernier temps, on va le remplir avec quatre doubles croches aussi, mais quatre notes différentes. Fa, mi, ré et si. Donc, on va travailler ce temps-là précisément. 3 et 4. Ré, 3, 4, ré, fa, mi, ré, si, 3, 4, ré, fa. Voilà, 4 notes en un seul temps, 4 doubles croches. Maintenant, si on joue le temps en entier, avec la boîte à rythme, c'est plus rapide, hein? Donc on va prendre la pulsation. Deuxième exercice, on va voir maintenant la formule rythmique à base de deux doubles croches. La première sur le temps et la deuxième double croche qui est juste après le temps. Pour cela, on va partir du sol. On va utiliser ensuite la seconde note. On va prendre l'octave de sol, case 5, corde de ré. Ensuite, on va utiliser le si, deuxième temps. Deuxième double croche, si, octave. Case 4, corde de sol, on se déplace do, toujours l'octave, et on finit avec le ré. Case 5, pardon, case 7, corde de sol. Ceci dit, il faudra jouer une note très courte, parce que ce sont des doubles croches, donc les doubles croches sont très courtes. Ça fera. Donc on va faire cet exercice-là, on a une mesure, un temps de sol, un temps de si, un temps de do et un temps de ré. Donc 4 temps, une mesure, on va faire ça 4 fois. On prend bien la pulsation. 3. Très bien. Deuxième exercice, on va faire la même chose, mais on va laisser sonner. On va faire donc, on laisse sonner la deuxième note. C'est-à-dire que la deuxième note, elle va prendre la valeur en fait d'une croche pointée, ou elle prendra la valeur de trois doubles croches. On fait qu'une seule note plus longue, et comme elle est plus longue, elle se transforme en de double croche. Elle va passer en croche pointée, où elle prend la valeur de trois doubles croches pour remplir tout l'espace du temps qui est resté. On y va, même chose, quatre mesures. Et
Alors, pour travailler encore cet exercice-là, on va faire deux mesures avec un son court et deux mesures avec un son plus long. Voilà, toujours on travaille toujours ces doubles croches. Donc, on va répéter ça deux fois, deux mesures de son court, puis ensuite deux mesures de son long. Voilà, et on va répéter ça deux fois. Allez, c'est parti. Alors, on a vu 4 doubles croches, les deux premières doubles, et on va voir maintenant les 3 premières doubles croches. Alors, pour ça, on repart toujours du sol, on va faire donc sol, sol dièse, la, donc case 3, 4, 5, tout simplement, doigt 1, 2, 3. Même chose en dessous, du do vers le ré, troisième temps, du fa vers le sol, et enfin, pour finir la mesure, du si bémol, si et do. Donc ce qui va donner 3 et 4 et. Vous voyez, comme je fais 3 doubles croches, il y a un petit temps de silence. Ce petit temps de silence, c'est un quart de soupir. Donc il faut bien l'entendre. Bien entendre ce petit temps de soupir et bien démarrer chaque fois pile sur le temps. Voilà. Pareil, même chose, donc 4 fois cet exercice-là. Avec la boîte à rythme, on reprend bien la pulsation. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 et 4 et. Très bien. Même chose. Alors cette fois-ci, on va laisser sonner la dernière note dans la troisième double croche. Donc comme elle va être un petit peu plus longue, eh bien elle va prendre la valeur d'une croche. Donc elle va passer d'une valeur de double croche à croche. Donc notre formule rythmique sera deux doubles croches et une croche. Voilà, donc là on a tout l'espace du temps est rempli par le son. On n'a plus ce quart de soupir. Alors on va travailler ça même, de la même façon 4 fois. 6 là en faisant comme tout à l'heure, deux mesures sont courts et deux mesures sont longs, ça répété deux fois. C'est parti. On commence par le son court. 3 et 4 et. De cette vidéo. Donc n'hésitez pas à reprendre ces exercices-là, toujours pareil, avec un tempo plus lent, puis monter progressivement, en ayant toujours le souci de faire un joli son. Et lors d'une prochaine vidéo, nous reprendrons ensemble, si vous le voulez bien, d'autres exercices sur des formules rythmiques plus élaborées, un peu plus complexes, à base de quart de soupir, etc. Donc je vous remercie d'être resté jusqu'à là pour suivre cette vidéo, et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo.